Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons les Icènes. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qui commence très matinalement à 9h, le 1er janvier à 9h. Sur les chapeaux de roue, très carrés les roues. Hein. Alors, on reprend la partie donc où on était. Enfin, un petit peu plus avancé. Voilà, j'ai fait passer quelques tours. J'ai notamment pris Olbia. Voilà, mais c'est tout. Oh, j'ai juste pris Olbia. Bon, j'ai cassé un petit peu du cimérien aussi. Voilà, j'ai fait ma petite vie, comme on dit. Mais voilà, la seule chose notable, c'est Olbia qui est tombée. Voilà, on rase. Ici, voilà, on développe un truc pas cher. On va développer, non, on va lever une armée. À Olbia, justement. Hein. Parce qu'on voit qu'il y a des ennemis. Et qu'elle n'a pas les capacités nécessaires, enfin suffisantes, pour se défendre seule. Voilà, ça devrait pas poser de soucis. On développe bien sûr, enfin je développe bien sûr Mauritania, qui sera un important pôle de nourriture et d'argent. Si bon, je pense que pour nourriture 302, je suis pas trop mal, hein. J'ai également une armée qui est en direction de Sidamus, ça y est, et une flotte qui est en direction de Macomad. Eux, ils sont passés, je sais pas trop comment ils ont fait, c'est pas. Écoute, ils passeront, il y a les frisons qui courront après, je crois, j'espère. On est pas mal. Donc, comme j'avais prévu, lors de l'épisode précédent, on va se charger de la province donc de Fasania. Donc c'est en gros c'est Sidamus et Garamata qui sont là. On finira par Macomades qui fait partie de l'Africa si jamais Rome ne s'en est pas déjà chargé. Et d'ailleurs si Rome ne s'en charge pas, faudra se charger de Rome. Ça, ce sera à plus long terme. Ok. Où c'est qu'il est barré? D'accord, il y a un statu quo, quoi. Ah, je peux même pas y aller, quoi. Je sais pas ce qu'il fout dans le désert, là. Mais c'est pas grave, on a tout le temps. Voilà. T'as lui fait une armée en moins pour défendre ses territoires, c'est pas plus mal. Oh, il s'est vraiment foutu là, lui, je sais pas comment. Il était rapide, le salaud. On va faire un. On va leur tendre un piège, hein, écoute. Écoutez. Voilà, on va mettre une embuscade par ici. Rome, il se tient tranquille pour l'instant. Il s'est fait un peu bouffer par les épières, là il a réussi un peu à juguler le truc. Mais il est encore en train de se casser la tête avec, donc ça me va. Hop, on développe, on développe, on développe. Il reste quoi des Cimériens? Ah oui. Reste encore pas mal de choses. Pergamon, ils sont alliés ou ennemis? Ah, ils sont alliés à Cimériens. Ah, zut. C'est pas grave. Royaume de Tilis. Ils sont en guerre avec Pergamon. D'accord. Avec Rome aussi? Ok. Bon. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a d'autre à se faire. Bastran. Ça fait sûrement partie des petits peuples qu'à un moment ou un autre je vais devoir annexer. Ou qui vont m'embêter au choix. On est en 70, eh ben quand même, hein, ça avance pas mal.
On va faire pas mal de tours. T'as Syracuse? Il y a trois armées là-bas? Une flotte, deux armées? En muscle. Elle sort d'où cette armée? On va reculer. Pourquoi? Ils sont. Arrête. Ils sont en déplacement accéléré. Ah, je l'ai pas vu venir celle-là. Vu qu'ils sont en déplacement accéléré, bah ils peuvent pas attaquer. Ok. Ouais, j'ai même pas d'unité de corps à corps, c'est ça qui est gênant. Le fait que sans unité de corps à corps, c'est compliqué quoi. Ok. Je vais faire une petite embuscade par là. On va voir ce que ça donne. On sait jamais. Client établi. Romardae. Ok. Oula, bah j'ai plus d'argent. Ah oui, j'ai recruté. J'ai beaucoup recruté. Beaucoup trop recruté. Hop. J'ai oublié que je ne roule pas sur l'or encore. Enfin, je vais pas me plaindre, mais. Pas non plus suffisant. Et on attaque Sidamus. Mode équilibré, c'est largement suffisant. On rase. Et un centre sacré, un enclos. Et on fera ça plus tard. Et bah voilà, ça avance plutôt bien. Stratège lui. Voyons voir, parce que là j'ai besoin de gosses. C'est bon, j'en ai quelques-uns. Pour cette carte de famille, toi. Voilà, on y voit plus clair. Famille nombreuse, hein, c'est. Oula. Ah, j'ai une flotte qui ne sert à rien. On va l'amener, on va l'amener. On peut voir, il y a une flotte là. Parlons de Caralis. D'ailleurs, oui, j'ai une armée à Caralis qui, pareil, je vais pouvoir la faire bouger peut-être. Quoique, on sait jamais. On va voir en fonction de ce que font les Romains. Ah, je vais être obligé de mener cette bataille sur le champ, apparemment. Ah, ils ont quoi de la cavalerie? Un petit peu de cavalerie de lancier. Ouais, c'est pas très grave, ils sont en infériorité. De la troupe pourrie et quelques archers lourds cimériens quand même. Falloir s'en méfier. Heureusement j'ai un peu de cavalerie mais j'ai très très peu d'unités de corps à corps en fait. C'est ça le souci. C'est que pour tenir au corps à corps j'ai rien du tout. Allez on va mener la bataille sur le champ avec vous. Je vais mener la bataille sur le champ avec vous. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. C'est cette ce village. Ah, je vois pas. Ah oui, si, d'accord. Ah bah il pleut. Ah bah il est super. On va mettre les fermiers ici. Il devrait prendre le premier choc. Pour le reste. Ça va être tendu là. Hop. On peut mettre des frondeurs comme ça. On va mettre dans l'autre sens. Mes cavaliers lancent projectiles. Je vais les emmener là-bas. Mes navires. Ah, c'est des unités légères. Ah zut. Ah, déçu. On les met là. Voilà, on détourne. Hop. Je fais sortir ma cavalerie. Voilà, le but étant juste de faire des dégâts. Hop, pas besoin de sortir plus si elle a portée. Voilà, en plus, ça a bien fait la première salve sur eux.
Ici, ça se passe à peu près comme prévu. Ah, là, ça se passe pas comme prévu. Hop. Comment ils ont pu accrocher une unité qui est en escarmouche, quoi? Ça me cave, ça aussi. Putain, ils sont plus nuls que l'unité elle-même, quoi. C'est fou. Bon, allez, on les fait décaler, là. Voilà, j'étais obligé de charger à cause de ces... Ah. Hop, j'en ai les guerriers peints. Là, apparemment... Si, quand même. Jeune hache. Ici, je dois avoir un navire. Voilà, on va pouvoir amener ça. Tout ce beau petit monde là-bas. Ça fait pas grand monde, mais c'est toujours ça de près. Voilà, les feux à volonté, là-dessus. Sinon, c'est quand vous voulez, les gars, que... Vous êtes, je sais pas combien de centaines contre 6, au bout d'un moment, c'est pas ouf quoi. Ok. Allez, on emmène tout le beau monde là-bas, pareil. Là, on est en fronde. Ok, très très bien. Ça fait les dégâts. Ça fait les bons dégâts d'ailleurs. Et ils vont surtout se prendre une charge par l'arrière, ça c'est... pas le général, c'est quoi le général? Je vais le faire aller sur les archers lourds là-bas. La cavalerie des steppes qui se barre. Eux, j'ai même pas à avoir besoin de là-bas. Hop, on va les emmener. Voilà. Lui, je vais lui faire charger. Ok, parfait. Je vais les faire le tour, eux. C'est pareil, même punition. Ah mais c'est pourquoi ça décale toujours, c'est quoi ce bordel? On va faire le tour à eux. Oh là, ça se barre déjà là. C'est compliqué. Bah ils sont 90, eh oh. Non, je t'ai pas dit de partir par là. Toi non plus, je t'ai pas dit de partir par là. C'est fou ça. Ils en valent pas une quoi. Ils en loupent pas une quoi. C'est vraiment des. Putain, je leur dis d'aller là. Vite! Ces archers lourds, légers. Voilà, je vais les faire charger par l'arrière. Vu qu'apparemment. Apparemment, ils sont pas très fut-fut. Hop, là, faudrait peut-être que je les fasse tirer un jour quand même. Allez comme ça, hop, voilà, ils vont bien tirer par l'arrière. Ok, eux ils ont rien compris encore. Putain, ils sont cons, ils en peuvent plus. Hein. Putain, ils tirent sur mon général quoi. Non mais au bout d'un moment. Ouais, tirer sur leur général, pas sur le mien. Voilà. Tac, tac, et tac. On charge là. Mon général il prend cher parce qu'ils sont nuls. Voilà, là, c'est, ça suffira. Mais... Ah, mais même eux, ils sont cons, ils en peuvent plus, hein. Putain. C'est pas vrai, ça. Voilà, eux, on envoie une cavalerie dessus. Deux. Voilà, comme ça, on sera sûr. Ah, ils nous embêteront pas longtemps. C'est bon, vous êtes devenu un peu plus intelligent? Ou au moins moins con? Qu'est-ce qu'ils foutent, putain. Voilà, allez hop, putain. On se met sur le bord là. Ce sont mes unités qui sont en train de fuir, super. Ah oui, bon, lui il a pris un peu. Allez, prenez-y. Tant qu'à faire. Allez, faisons pleuvoir tout. Plein de traits. On charge par l'arrière. Ça devrait redonner un petit coup d'espoir à mes unités, j'espère. Les archers des steppes, bah, ils vont se barrer, bien évidemment. Ils vont essayer de se barrer. Ils vont arriver au corps à corps avec mes propres unités. Mon infériorité numérique, elles vont prendre cher. Voilà. On peut voir que là. C'est la débandade chez l'ennemi. Hein. Ouf, c'est la bonne débandade.
Voilà, là c'est en train de se faire ratamer derrière. Parfait. Bonjour, bonjour. Allez, tout le monde sur le général, s'il vous plaît. Vroom. Voilà, on continue. On n'aime pas les fuyards. Voilà, on exécute tout ce qu'on peut. Voilà, fais volonté les gars, là. Qu'est-ce qu'ils t'attendent, putain? Eh, je veux pas de survivants. Bon, le moins possible. Allez, on va dire ça fera l'affaire. Voilà. Petite bataille rondement menée. Eh, ils ont fait le café quand même. Oui, mais non, ils ont juste tué des fuyards. Leur archer cimérien lourd qui ont fait des pertes de fou au mon général. Ouais. Ils se battent avec des flèches au corps à corps, c'est efficace. C'est quand vous voulez. Hein. C'est bon? Ah, c'est gentil, merci. Voilà. Cadence accélérée, voilà. Alors, on va. Oui, il a l'espoir, lui. Ah, Chingis, ça tiendra. C'est Midgol qu'il faudra que je regarde avec attention. Parce que Midgol, j'ai pas assez de gens. Voilà. Bonjour, ce fut un plaisir de ne pas faire ta connaissance. Ah ouais, j'ai vraiment zéro portée là, c'est. Alors, Azirir, Panticapom. Faire un petit guerrier, voilà, je vais le dissoudre. Il sert plus à rien. Je vais vérifier que j'ai pas louché. Oui, c'est bon. Je suis pas mal là, je crois que j'ai des. Ah non. J'ai bientôt développé toutes mes technologies militaires, ça c'est pas mal du tout. Ah, je vais faire ça, allez, hop, ça me coûtera pas grand chose. Plus de portée, ouais. Et bon, on va continuer. Ça se passe tellement bien. Ah oui, zut. C'est pas grave. Ouais, allez, vas-y les frisons. On croit en toi. Enfin, pas vraiment, mais. Bon, c'est pas si pire. Les épires, ils prennent cher. Ils ont pris Syracuse, mais. Ils sont un peu acculés, quoi. Le forgeron. Oui, allez. J'ai besoin de troupes, donc. Voyons voir. Bon, ils sont en train de piller. C'est pas grave. Ça lui occupe une armée, ça lui empêche d'enlever plus. Ça devrait être bon. Hop, bonjour. Je vous fais un petit siège, ça vous dérange pas? Si. Ah. Hop. On continue. Un nouveau siège. Parfait. Et là, lui, là, qui était tout là-bas, on va pouvoir le faire venir. 1, 2, 3, 4, tout là. Ça va mettre du temps. Ça va mettre un petit peu de temps quand même. Hop. Résolution auto de l'assaut. Voilà, mode équilibré, on rase. C'est parfait.
C'est parfait, là pareil. En augmentant les temples, hein, de notre civilisation, ça fera que du bien. Les vents de fer, ouh, ils ont pris cher. De rien. Ok, on va faire un petit tour. Le four d'homme. On est pas mal, hein, on est pas mal hein, là. Alors, s'ils vont sortir. Accords commerciaux? Non. Dans le monde entier, ça m'étonnerait, vu comment t'es en guerre contre tout le monde. À mon avis, il n'y a pas grand monde qui t'accueille, hein. Traité de paix, non? Bah non, quoi, c'est. Faut pas déconner. Oui, d'ailleurs, je sais ce que je vais faire, c'est mordi. Oh, fais chier. Ah, heureusement, j'ai eu. Apparemment, des nouvelles naissances. Ok, ma techno elle est finie. Je vais chercher ici. Voilà. Hop. Et on va aller conquérir un peu les petits villages, les petites villes qu'il y a par là. Donc pour ça, je n'ai pas traité. Je n'ai pas traité. Je n'ai pas traité. Voilà, on va s'occuper de toute cette partie-là. Hein. Plein de petites factions. En plus, ça prend du temps à jouer son tour. Enfin, vous voyez, ce genre de soucis, quoi. Hop. Pour les Bretons, hein, les gars, si vous êtes de Bretagne, appréciez. Ça, si je m'en souviens, ce sera le titre de la vidéo, tiens. Attendez, faut que je note ça. Ouais, non, bah allez. Un petit peu de mémoire. Hop. Alors, toujours pas. Hein. Lui, il a d'espoir. En même temps, faut dire, il a éclaté quand même l'Égyptien. Qu'est-ce que. Sidamus. Quoi? Bon. Ne pensez pas qu'il était revenu aussi vite ici. C'est pas grave, je vais le prendre en étau. De toute façon, je prends sa capitale et. Je prends sa capitale, je ramène des renforts de. De l'ouest, du coup. Puis je le fais tomber. Regardez un beau village gaulois dans le désert. Ah. Il y a quelques. Peut-être que petites constructions qui ne sont pas très très. Enfin, gaulois, pardon, celtiques. Ouh là là. Ouh là là, attention à ce que je dis là. D'ailleurs, t'es pas une armée là? Par là, qui se baladait, lui? Non? C'est quand même pas l'autre, c'est pas possible. Bon. Voilà. Allez hop. Là-bas, un tour avant la fin du siège. Ici ça se déplace, voilà, tranquillement. Ah oui, du coup, ouais, c'est pouvoir bien développer ça. Ok. Les moteurs du pouvoir, voilà, compris. Garama. Et on va faire un petit. Une petite embuscade. Voilà, comme ça, soit ils se barrent à Garama et ils se font prendre en embuscade. Oula. Ah, faudra que je construise le tour d'après. Faudra que je fasse des bâtiments. Soit ils vont vers l'ouest et ils se prennent une armée, c'est au choix. Voilà, ils tentent une sortie, mais qui ne fonctionnera bien évidemment pas. Hop, on rase. On devrait être pas mal hein, en vrai, au niveau des villes rasées pour le succès de victoire. On va voir ça au prochain tour. Et
les jettent, qu'est-ce qu'ils foutent chez moi quoi, c'est ouf. Ils ont pas le droit de passage et encore, putain. Là c'est beaucoup de victimes d'affilée hein. Ah putain, bas quartier, bas quartier, bas quartier, bas quartier, oh là là. 4 bas quartiers, enfin 3 mais. Ouais, la route s'offre à nous en attendant, t'étais pas foutu de. T'étais pas foutu de suivre la route et de pas avoir de perte. Hein. Donc bon, la route s'offre à nous. Tu reviendras. Allez, double embuscade. On a pris Panticapom. Qu'on va reconstruire d'ailleurs de suite. On va pas refaire la même erreur. On est bien là, on est bien. Macomad, on est bien. Alors, faisons un petit tour des provinces. Ah, il y a de la construction ici, il y a de la bouffe. Voilà, je préfère avoir bonne production de bouffe actuellement. Parce que là, on peut voir, hein, mes technologies civiles ne sont pas développées. Et vu qu'elles ne sont pas développées, quand elles le seront, bah j'aurai des bâtiments qui vont consommer beaucoup de nourriture. Donc je préfère en avoir à balle de côté et me dire, je vois venir. Et encore, je suis même pas sûr de voir venir avec ça. Ah. Écoutez, on vous apporte, l'art de vie celte. C'est pas une mauvaise chose. Laissez-vous faire, ça ira mieux. Ah, oui. Putain, encore un décès, quoi, c'est fou. Nouveau chef. Ouais. Hop, j'aimerais bien. À deux. Bon, un peu. Pas de chance. Nourriture, ah, bah allez. Hop. Voilà, on a une autre personne, c'est qui ça, ouais. 44 ans. Ouais, pourra plus avoir d'enfants. Oups, là. Et la dernière technologie militaire, 8 tours, serviteur de l'élite. Ouais, quelques caractéristiques en plus, mais de rien pour mes unités warrior. Garama. Voilà. Pas se faire avoir 10 fois non plus, faut pas déconner. Voilà. Tu es prête, tant mieux. Je suis prêt également. On encercle. Et on fait même un. On va essayer de faire une double attaque, je sais pas si ça a marché. Voilà. Résolution automatique, t'as voulu tenir. Voilà ce qui se passe. Fini pour eux. Non, on va pas faire ça, on a déjà. Voilà. Et voilà comment ça se passe quand on essaye de me tenir tête. Non mais oh. Allez, bon, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a quand même bien conquis, hein. La carte devient très très bleue. Vous voyez, hein. Enfin, très très blanche de ce côté-là, mais c'est pas la bonne carte. Voilà. La carte devient très très bleue. Avant de se quitter, on va regarder juste au niveau des objectifs. On est à 23 mises à sac, c'est pas mal, on avance bien. Ça, on l'aura pas. Et ça va avancer petit à petit. On voit, c'est encore l'influence du désert. Là, c'est tout nouveau. Très récemment celte, ici c'est latin. On va s'arranger, on va s'arranger. Ah, y'a que nos sauces, tu vois. Eux, ils sont toujours prépares. Allez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite une nouvelle fois de bonnes fêtes de début d'année, je sais. Voilà. Mes meilleurs voeux, surtout, voilà, mes meilleurs voeux. Et je vous dis à demain. Je vous remercie d'avoir suivi, c'était Thiob. Ciao.